Donc là, je suis devant des ruines romaines et vous comprendrez facilement pourquoi en voyant le film. Donc le film dont je vais vous parler, c'est le dernier film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Mégalopolis, qui est sorti à Cannes cette année avec le scandale que l'on sait. Beaucoup de critiques et même des spectateurs n'ont pas du tout aimé, ont quitté la salle. Et là, je viens de le voir, il y a 3 jours, finalement, un peu après tout le monde, la salle n'a pas été complètement évacuée de ses spectateurs. Et le film, même s'il est très surprenant, même s'il est un peu dérangeant, se laisse regarder. Par moments, on se dit, c'est pas vraiment du Coppola, c'est bizarre. Mais après, en réfléchissant, on sait que Coppola a tellement fait de films différents que on se dit bon ben pourquoi pas une sorte de film une sorte pardon de film comment qui serait une sorte de film d'histoire fiction si on peut dire et même en même temps de science-fiction. Voilà, donc le thème on va pas le dévoiler, je vous le laisse découvrir, sauf que ces films c'est un hommage à l'art déco. C'est filmé à New York, mais la ville en fait s'appelle Roma York. Et c'est une vision de notre monde décadent. Alors, il n'est que de voir la France et de voir le triomphe du capitalisme pour comprendre de quoi veut parler Coppola. Alors, le film, dans sa filmographie, disons, est difficile à classer, mais on peut y voir du Dracula. On peut y voir aussi également, curieusement, mais à cause de l'acteur principal, une réminiscence aussi d'un film qu'il a réalisé en 2009 qui s'appelle Tétro, dans lequel joue Vincent Gallo. Vincent Gallo est un acteur indépendant américain qui, dans ce film-là, d'une grande poésie qui se passe vers la Terre de Feu, au fin fond de l'Amérique du Sud, joue un personnage décalé. Et bien ici, l'acteur indépendant du film, c'est Adam Driver. Et Adam Driver, on le voit pratiquement dans tous les plans. Il joue le rôle d'un nouveau César. Et sans dévoiler le film, voilà pourquoi je suis devant le temple de Diane à Nîmes, qui est un temple romain qui est à moitié en ruine. Mais parce que dans le film, vous le verrez, tout est gravé dans le marbre. Alors la référence à Tétro, elle n'est pas évidente, elle ne saute pas aux yeux. En revanche, la référence à Cosmopolis, qui avait été produit par Paolo Branco, un film de Cronenberg, on le retrouve un peu dans ce film. Et curieusement, ce film n'avait pas tellement bien marché à Cannes. On y voit également, bien sûr, un hommage magistral à Caligula de Tinto Brass, sur certains aspects, certainement la décadence, mais également au film Métropolis de Fritz Lang, à cause des décors art déco. Mais moi, je trouve que la référence ultime, elle est évidemment à chercher du côté de Fellini. On dirait que Coppola s'est amusé à livrer son Satyricon à lui. Et dans le film, les relations entre les femmes, par exemple avec le lesbianisme, la solitude des héros et surtout leur frénésie sexuelle et leur volonté inassouvie de pouvoir, fait de ce film une sorte de frère, ou peut-être pas vraiment jumeau, mais deux frères à travers le temps, en référence à la romanité, au film Fellini Satyricon. Voilà. Alors au niveau des acteurs, il y en a énormément, je ne peux pas tous les citer, mais je ne sais pas si vous les reconnaîtrez tous non plus. Donc, à part Adam Driver qui est formidable et qu'on voit tout le long du film, on peut voir Dustin Hoffman et tous sont inclus dans ce tissu du film. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire. Et malgré les réticences de certains, je vous encouragerai à le voir, surtout pour avoir une connaissance de la filmographie complète de Francis Ford Coppola, parce que c'est peut-être, on ne sait pas, son ultime film.